J'utilise en ce moment beaucoup mes préférés de cette saison d'été qui est bientôt finie. Donc je voulais présenter tous un par un. Donc juste avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous dire que en même pas une heure, j'ai déjà eu une abonnée donc qui est Lali Makeup, donc c'est une copine à moi. Donc voilà, si elle passe par là, je lui fais de gros bisous. Et voilà, aussi pour vous dire que j'ai mes soeurs juste en face de moi, et si ça fait du bruit, je suis vraiment désolée d'avance, je suis vraiment désolée, parce qu'en fait, ils font pas attention, je leur ai dit que je faisais une vidéo, mais ils s'en foutent carrément, donc voilà. Donc, c'est parti. Donc, mon premier produit que j'utilise vraiment en ce moment, que j'aime trop, que je trouve super efficace, c'est une crème qui vient de format, que j'ai acheté en pharmacie. Et qui est très efficace. Donc, je fais une petite mise au point pour que vous la voyez. Donc, voilà. Donc, je sais pas si vous arrivez à lire. Donc, en fait, vraiment, en fait, je la trouve super bien parce qu'en fait, je vais vous expliquer en gros. En fait, j'ai beaucoup de boutons et de points noirs. Et en fait, j'ai demandé à ma mère de me faire quelque chose vraiment parce que j'en pouvais plus. Donc j'ai acheté cette crème là et franchement au bout d'une semaine j'ai presque plus rien. J'en ai encore 2-3, c'est tout. J'ai presque plus rien au bout d'une semaine. Alors imaginez-vous au bout d'un mois vous aurez plus rien, même pas au bout de 2 semaines vous aurez carrément plus rien. Donc ceux qui ont des boutons ou des points noirs, je vous la conseille à 100%. Elle est super efficace et elle est très utile. Donc voilà, donc je l'aime trop cette crème. Donc voilà. Deuxième produit que j'aime énormément aussi, donc c'est une bébé crème que j'ai aussi acheté en pharmacie qui est bientôt vide. Donc il ne m'en reste plus beaucoup. Donc en fait cette crème là, c'est pas vraiment une pour refaire de... C'est pas une vraiment teintée, en fait elle est teintée mais on ne voit presque rien. C'est juste pour dire d'hydrater ma peau. Donc elle vient de pharmacie, c'est une bébé crème. Hein. Je l'ai acheté en pharmacie, donc je la mets souvent, donc c'est pour ça que j'en ai presque plus, que je vais en racheter une, parce que je trouve qu'elle hydratait vraiment bien ma peau. En fait, ma peau, elle est vraiment sèche, et quand je la mets, je trouve que ma peau est plus, un petit peu plus douce. Donc voilà, je vous la conseille aussi, mais pas vraiment, vraiment, mais moi, en tout cas, je l'aime bien. En tout cas, sur ma peau sèche, ou les peaux sèches, je vous la conseille vraiment, vraiment, vraiment. Mais super. Donc, voilà. Ensuite, j'étais 1, 2, donc mon troisième produit, donc c'est aussi une bébé crème, mais celle-là c'est une teintée, donc celle-là l'utilise pas pour hydrater ma peau, je l'utilise pour faire, teinter mon visage, je sais pas comme si c'est comme ça que ça se dit, mais j'en sais rien. Donc celle-là en fait, elle est vraiment, enfin, je vais vous faire un petit, sans faire de gaffe, hein. Elle est vraiment légèrement teintée et je trouve qu'elle est super, enfin je vais vous faire un petit truc là. Je trouve qu'elle est vraiment super et en fait, enfin, ça me donne une plus bonne mine quand je la mets. Donc voilà, donc là j'ai rien sur mon visage. Hein. Voilà. Donc je l'ai acheté, je sais plus vraiment où je l'ai acheté, enfin, ça fait pas longtemps que je l'ai acheté, mais je sais plus où je l'ai acheté. Et elle est vraiment bien aussi, donc je vous la conseille aussi pour ceux qui veulent avoir une bonne mine et qui veulent avoir leur visage un peu teinté, mais légèrement, pas trop non plus. Donc voilà, donc mon quatrième produit, c'est j'ai deux correcteurs. Mais en fait, j'avais celui-là, mais il est presque vide. Donc, je l'ai bientôt fini. Dès que je l'aurai fini, ben celui-là, il n'est pas trop efficace. Et j'en ai acheté un nouveau. J'ai acheté tout à l'heure. Et celui-là, en fait, il n'est pas très efficace. Mais je l'ai déjà bientôt fini. Donc, bientôt que je l'aurai fini, j'utiliserai celui-là que j'ai acheté tout à l'heure. Donc, c'est un 24 heures. C'est un correcteur 24 heures. C'est un Maybelline. Donc il est, je vais vous faire un petit truc, il est pas trop foncé ni trop clair, hein, c'est, il est normal je trouve en fait. Voilà. Donc il est vraiment bien. Si vous entendez des petits pleurs, c'est parce que j'ai un petit frère et il est encore petit, il pleure souvent.
Donc voilà pour ces deux correcteurs-là que j'ai bientôt fini celui-là. Ensuite, alors de 1, 2, 3, 4, mon cinquième produit, c'est mon mascara. Donc c'est un waterproof. Waterproof. Je vais plus parler. Il est noir intense. Il est. Ben, la brosse, je la trouve pas trop grosse ni trop petite. Je sais plus du tout où je l'ai acheté. Donc je peux pas vous dire. Voilà. Mais en tout cas, je l'aime vraiment bien et il est vraiment bien sur mes cils à moi parce que j'ai des petits cils. Et quand j'aime, en fait, ça fait tout léger, donc je l'aime trop. Donc pour ceux qui veulent pas avoir non plus des gros cils, juste que ça fait un petit peu relever vos cils, je sais pas si on dit comme ça, et ben je vous conseille de l'acheter, mais je peux pas vous dire où je l'ai acheté, c'est ça le problème. Excusez-moi, parce que j'ai dû mettre sur pause parce qu'il y a ma soeur qui vient me parler. Donc voilà, je disais ça sur le mascara, donc il est vraiment bien. Je l'aime bien, moi, en tout cas. Mon 1, 2, 3, 4, 5 produit que j'utilise beaucoup en ce moment, ça c'est un Labello. Donc il sent la cerise. Donc c'est pour hydrater mes lèvres et il fait un peu une couleur, donc je vais vous faire montrer. Donc en fait, je sais pas vraiment si vous voyez, donc je vais faire sur ma main, mais je sais pas non plus si vous allez voir. Donc peut-être vous allez voir, enfin en fait, je sais pas si vous allez voir, mais en tout cas, ça fait une petite couleur et il hydrate vraiment bien les lèvres. Donc, je vous le conseille aussi, hein. Vous faites comme vous voulez. Mon dernier produit, c'est celui que j'utilise le moins mais que j'aime bien quand même. Donc c'est une poudre que j'ai acheté à Kiko. Donc, il y a ma soeur qui m'apparaît, donc voilà. Elle est un peu foncée. Donc ça, c'est quand je me maquille beaucoup, genre. Mais. Donc voilà, donc elle est toute neuve encore. Je l'ai pas utilisée beaucoup. Donc voilà. Je l'ai achetée à Kiko. Je l'ai pas achetée très très cher. Donc je vous la conseille aussi si vous voulez avoir une poudre bien. Donc voilà. Donc les filles, je vous souhaite... que je raconte moi, ouais. Je vous dis à une prochaine vidéo et abonnez-vous à ma chaîne et vous pouvez laisser des commentaires ou mettre un pouce et voilà, donc vous mettez en commentaire ce que vous voulez que je fasse comme prochaine vidéo et je vous la ferai de suite. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous retrouve bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous.